Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire du mois d'octobre 2022, qui est le deuxième de la saison 2022-2023. Je me présente, mon nom est Raed El Ferjani et je suis le coordonnateur du réseau Reboisement Lignicultures Québec. Au début de ce webinaire, j'aimerais remercier nos trois présentateurs, présentatrices. Adrien Paul, chercheur postdoctoral, Marc-Olivier Brunette, étudiant-chercheur à la maîtrise, et Andréane Beauchemin-Nadeau, également étudiante-chercheure à la maîtrise. Nos conférenciers effectuent leur recherche à l'Institut de recherche en biologie végétale, un institut affilié à l'Université de Montréal, sous la supervision de Michel Labrecque, que je dois également remercier pour sa participation à l'organisation de ce webinaire. Michel serait le modérateur de ce webinaire. Donc, pour ce webinaire, on a trois présentations. La première présentation est intitulée « Le cycle biogéochimique du nickel dans un écosystème ultramafique dominé par l'hyperaccumulateur Picnandra accumulata ». La deuxième présentation est « Impact d'amendements organiques sur les capacités phytoremédiatrices de sols et de peupliers ». Et la troisième et dernière a pour titre « Infrastructures vertes abandonnées, évolution des communautés végétales spontanées ». Un petit mot sur le déroulement du webinaire. Les présentations seront d'une durée de 15 minutes environ, suivie d'une période de questions de 5 minutes. Les participants peuvent inscrire leurs questions dans le volet « Questions et réponses », Q&A, en bas de l'écran. Et ces questions seront transmises aux présentateurs lors de la période de questions. Alors, sans trop tarder, je cède la parole à mon collègue Nelson Tifo, qui est le co-directeur du DRLQ, pour un petit mot sur les activités du réseau. À toi la parole, Nelson. Merci beaucoup, Raed. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour à nos conférenciers, conférencières. Bonjour à Michel. Et puis, bien heureux de savoir qu'il y a plein de personnes qui se sont joints à nous ce matin. Donc, oui, je suis le co-directeur scientifique du réseau Reboisement Lignicultures Québec, un rôle que je partage avec mon collègue et ami Nicolas Bélanger de l'Université TELUC. Juste quelques mots pour vous dire que le 2RLQ, c'est donc un réseau d'innovation qui est financé par le Fonds de recherche du Québec, Nature et Technologie, ainsi que plusieurs partenaires des milieux publics et privés. Et notre mission, c'est donc de stimuler l'innovation dans le domaine de la sylviculture, de la régénération, de la plantation et de la ligniculture. Et ça, on le fait bien, en mettant en contact les personnes qui génèrent la connaissance avec les utilisateurs de la connaissance. On le fait via différents outils, dont la série de webinaires à laquelle vous assistez aujourd'hui. Mais si vous allez faire un tour sur notre site Internet, qui est très facile à trouver sur le portail de TELUC, vous allez voir qu'on produit également des documents vulgarisés où on résume les résultats, par exemple, d'articles scientifiques qui sont produits par les membres chercheurs du réseau. Vous y trouverez également plusieurs capsules vidéo qui présentent des projets de recherche dans le domaine du reboisement et de la lignoculture et bien d'autres produits. Alors, je vous invite acheter un œil à notre site Internet. Sans plus tarder, je laisse la parole à Michel et je te remercie encore une fois d'avoir accepté de participer avec ton équipe à notre série de webinaires. Merci. Merci, merci Nelson, merci Raël, merci pour l'invitation et l'occasion que vous nous donnez de présenter un petit peu ce que l'on fait. Moi, je participe à ce réseau Reboisement Lignicultures Québec depuis plusieurs années. J'ai été impliqué dans plusieurs phases de son existence et puis c'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'ai un peu l'impression d'être quand même un peu à la marge de vos activités. Ceci dit, vous allez voir avec ce qu'on présente aujourd'hui, on est quand même intéressé à travailler avec des plantes ligneuses à croissance rapide. Beaucoup ont mis particulièrement sur des saules et des peupliers pour. C'est la thématique de notre laboratoire ou du laboratoire pour surtout aborder des problématiques de friches industrielles contaminées. Et on fait appel aux propriétés particulières des plantes à croissance rapide pour nous aider dans cette démarche-là. On ne travaille pas qu'avec des plantes à croissance rapide, mais
Mais les saules et les peupliers sont les champions de nos activités. On a fait plusieurs projets, toutes sortes de choses au cours des dernières années. Et donc, dans les phytotechnologies, la phytorémédiation, c'est la thématique principale du laboratoire. Et aujourd'hui, j'ai demandé à trois de mes étudiants, postdocs qui sont dans le laboratoire, de venir vous présenter une partie de leurs travaux. Deux sont en fin de maîtrise et le premier, c'est Adrien Paul. Alors lui, Adrien, il est postdoctorat. Il est inscrit comme stagiaire postdoctorat dans le laboratoire depuis le 2021, en fait, c'est ça. Hein? C'est septembre 2021, son arrivée au laboratoire. Donc, ça fait un petit peu plus d'un an maintenant. Je dirais qu'Adrien, c'est le postdoc que tous les professeurs et chercheurs souhaiteraient avoir dans son laboratoire parce qu'il est, impliqué, il a plein d'initiatives, il est en support aux étudiants du groupe et je pense que c'est quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup. Et sa thématique de recherche, en fait, il va vous en parler, c'est son sujet aujourd'hui, mais il a travaillé beaucoup sur l'hyperaccumulation et les plantes qui poussent sur des sites ultramafiques. On va vous expliquer ce que c'est, mais c'est utile pour notre problématique et les sujets qu'on regarde parce qu'on s'intéresse aux plantes qui ont les capacités de retirer des contaminants du sol. Donc, je vais le laisser parler, Adrien, et vous allez voir un peu ce qu'il qualifie comme spécialiste dans ce domaine aujourd'hui. Voilà, Adrien, je te laisse la parole. OK. Juste me confirmer que vous voyez bien ma présentation. C'est OK? OK. C'est bon, oui. Attends, il y a un petit problème de mon côté. OK. Donc, bonjour à tous. Merci, Michel, pour ton introduction. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour cette présentation qui discutera mes travaux de thèse. Avant de commencer, je souhaiterais reconnaître l'aide apportée par les différents organismes qui m'ont aidé, en commençant par l'Université de Queensland en Australie, où j'ai effectué ma thèse. Je souhaite donc remercier l'Université de Lorraine en France, l'Université métropolitaine de Manchester au Royaume-Uni, l'Institut de recherche en développement basé à Nouméa, l'Université de Montpellier encore en France, le CIRO et bien sûr l'IRBV. Maintenant, on peut commencer. Le titre de cette présentation est donc « Stock et cycle biogéochimie des nutriments et éléments traces métalliques dans une forêt ultramafique néo-calédonienne ». Que je fasse une présentation à des spécialistes ou à un public large, j'aime bien rappeler une citation du fameux livre d'Adriano, publié en 2013, qui est « La présence d'éléments traces métalliques dans le sol n'est pas toujours le symptôme d'une contamination passée ». C'est particulièrement vrai pour les sols ultramafiques que vous voyez sur la droite de cette diapositive. Ces sols sont retrouvés partout dans le monde et même au Québec. Ils sont caractérisés par des concentrations élevées en métal, des concentrations faibles en nutriments, mais surtout par un ratio calcium sur magnésium particulièrement faible. La Nouvelle-Calédonie, c'est un archipel français situé au large de l'Australie, est considéré comme un hotspot de biodiversité avec environ 5000 espèces sur un territoire qui est 6 fois plus petit que l'île de Terre-Neuve. Ceci est en partie dû au fait qu'elle est recouverte à plus de 30% de sols ultramafiques qui sont représentés en rouge sur la figure en bas à droite. Ces sols accueillent généralement des écosystèmes atypiques présentant une productivité faible et une forte endémicité. Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, on retrouvera 96,7%. Béatrice Gervais-Bergeron, qui je crois est en ligne, pourra vous en dire un peu plus à ce sujet, mais les espèces de ces écosystèmes présente des adaptations morphologiques et physiologiques diverses afin de s'épanouir. Par exemple, elles auront tendance à développer un système racinaire dense. Au final, toutes ces espèces seront aussi considérées comme métallophytes. L'un des plus beaux exemples d'adaptation est l'arbre Pitnandra acuminata, qui est lui-même endémique des sols ultramafiques néo-calédoniens. Il fait partie de la famille des Sapotacées, une famille pantropicale. Il s'agit d'une espèce à croissance lente qui peut dépasser les 20 mètres de haut et atteindre la canopée. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qui est vraiment spécial au sujet de cet arbre? En fait, il s'agit d'un hyperaccumulateur. Un hyperaccumulateur est une espèce végétale capable d'absorber les métaux ou les métalloïdes des sols et de les concentrer à des niveaux extrêmement élevés dans les tissus aériens. Pitnandra acuminata,
est lui capable, grâce à une physiologie atypique, ce qui veut dire qu'il diffère de la majorité des autres hyperaccumulateurs, d'accumuler jusqu'à 25% de nickel dans son latex, donc 250 000 ppm, et 2% dans les feuilles, soit 20 000 ppm. Assez l'introduction, passons donc au vif du sujet. Quand j'ai commencé ma thèse, j'avais déjà eu la chance de réaliser une maîtrise à étudier l'hyperaccumulation et en particulier une espèce hyperaccumulatrice de nickel nommée Alyssum corsicum, native de la zone méditerranéenne en Europe. Ainsi, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire, c'est-à-dire observer ce phénomène à travers plusieurs loupes ou échelles, et ce, en Nouvelle-Calédonie. Étant donné que nous n'avons pas 2 heures aujourd'hui, à partir de maintenant, nous allons nous concentrer sur le fonctionnement des écosystèmes ultramafiques. Mais durant ma thèse, je me suis aussi concentré sur la physiologie de ces organismes et sur l'impact des sols ultramafiques sur les populations d'espèces. Donc, l'objectif était, en quelque sorte, de placer le plus de flèches et le plus de nombres possibles sur ce graphique, afin de comprendre au mieux son fonctionnement et les cycles à la fois des nutriments essentiels, que sont l'azote, le calcium, le magnésium, le potassium et le phosphore, et des éléments traces, que sont le cobalt, le manganèse, le nickel et le zinc. Pour cela, j'ai choisi un patch de 1 hectare de forêt humide sur sol ultramafique situé au sud de l'île principale, qui avait été préalablement inventorié par mes collègues de l'IRD. À partir de ce site, j'ai sélectionné une parcelle de 0,25 hectares, donc 50 mètres par 50 mètres, afin d'éviter l'effet bordure. Et cette parcelle, je l'ai divisée en 100 sous-parcelles. Dans cette parcelle, j'ai échantillonné chaque arbre qui avait un diamètre supérieur à 10 cm. Ainsi, je me suis retrouvé avec environ 200 échantillons d'écorce, de bois, de feuilles sénescentes ou matures, de feuilles nouvellement formées ou jeunes, de sève élaborée, et de latex pour ceux qui produisent du latex. En parallèle, j'ai installé 12 pièges de 1 mètre carré, que vous voyez en bas à droite, avec lesquels j'ai collecté la litière une fois par mois pendant un an. Pour finir, j'ai collecté une carotte de 20 cm de sol dans chacune des sous-parcelles afin d'évaluer les niveaux des nutriments et d'éléments traces dans la phase minérale. À partir de cela, j'ai fait de belles cartes grâce au logiciel ArcGIS afin de représenter graphiquement la distribution des éléments sur le site et d'évaluer l'impact de la pente et du petit ruisseau que vous voyez sur la gauche à l'est du site sur le mouvement des ETM et des nutriments. Malheureusement, je n'ai pas forcément le temps de tout expliquer, donc je vais aller directement à l'essentiel et je ne vais pas forcément pouvoir vous expliquer mon chemin de pensée, mais on va essayer. Vous allez aussi devoir me croire sur parole. Sinon, il y a aussi 2 publications qui sont sorties récemment. Donc, je pourrais les partager dans le Q&A, si vous le souhaitez. Avant de commencer, la figure de droite indique les quantités de potassium et phosphore dans la biomasse végétale selon le diamètre des arbres dans la partie hachurée et selon la profondeur dans les parties blanches, la profondeur dans le sol. On s'est aperçu que 80% du potassium était emprisonné dans la biomasse végétale aérienne, ce qui rend cet élément le principal limitant sur le site. D'autres résultats ont indiqué que la majorité des apports provenaient des dépôts atmosphériques et que malgré sa forte mobilité, le potassium était rapidement réassimilé. C'était encore plus le cas pour le phosphore, qui lui ne montrait absolument pas de gradient en fonction de la profondeur dans les sols. Nos résultats ont aussi montré que 16% du phosphore était dans la biomasse. Le calcium et le magnésium sont, comme je vous l'ai dit au début de cette présentation, des éléments non limitants, malgré un fort déséquilibre par rapport à ce qui est considéré comme normal. Ce déséquilibre est en fait appelé le syndrome serpentine. Donc, concernant ces éléments, on s'est aperçu que les plantes ont adopté des stratégies différentes à leur égard. Le calcium est, lui, comme le phosphore et le potassium, rapidement réassimilé après que la litière se dégrade. Au contraire, le magnésium aura tendance à rester dans les plantes et à être redistribué dans les tissus nouveaux avant la chute des feuilles. Concernant les éléments traces, on a pu calculer les mouvements ainsi que les quantités contenues dans la biomasse végétale. Ainsi, la biomasse contenait 440 g par hectare de cobalt, 49 kg par hectare de manganèse, environ 260 kg par hectare de nickel,
et environ 7 kg par hectare de zinc. Petit fait intéressant, plus de 90% du nickel organique était contenu dans les 22 bitlandra cumulata du site. À titre de rappel, d'information plutôt, il y avait 384 arbres, 35 familles et 64 espèces dans la parcelle que j'ai étudiée. Le graphite sur la droite est un peu compliqué à expliquer en si peu de temps, mais j'ai réussi à prouver que Pitnandra cumulata disposait d'une physiologie différente comparée à la plupart des autres hyperaccumulateurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ce sujet. Aussi, cette étude tend à montrer que Pitnandra cumulata ne tire pas avantage de sa capacité à pyrcumuler à des fins allélopathiques, c'est-à-dire empêcher d'autres plantes à croître à proximité, comme sur la photo présentée sur la diapositive. À vrai dire, la raison du pourquoi de l'hyperaccumulation n'est pas encore définie, et l'allélopathie, qui n'existe pas apparemment dans l'écosystème que j'ai étudié, en tout cas pas avec Pitlandra, est largement avancée comme une théorie. Une deuxième serait de la défense contre l'herbivorie, etc. Donc, en conclusion, mon moment militant de la journée, cette étude a montré l'effet désastreux que les coupes à blanc ont sur ce genre d'écosystème. En effet, elle enlève 2 tonnes par hectare d'un élément extrêmement limitant localement à une forêt à croissance lente. Pour faire court, on ne pourra jamais retrouver ce qu'on a perdu avec une coupe à blanc dans de tels écosystèmes. C'était ma contribution à la connaissance. Je peux vous présenter, vu que je vois que j'ai un peu de temps, les autres travaux que j'ai effectués très rapidement. Donc, j'ai donc entrepris un essai pour comprendre les processus sous-jacents de l'hyperaccumulation du cobalt par un hyperaccumulateur qui accumule à la fois le cobalt et le nickel, qui était originaire d'Asie du Sud-Est, donc la Malaisie, Indonésie, Philippines. Grâce à des techniques d'imagerie que vous voyez sur la diapo, assez complexes, j'ai déterminé les mécanismes d'accumulation du nickel et du cobalt qui différaient chez cette espèce, malgré qu'il existe des fortes interactions physiologiques entre ces deux éléments dans la plante. J'ai aussi entrepris une étude d'imagerie pour décrypter la dynamique du nickel lors de la germination de 2 hyperaccumulateurs, l'un originaire d'Afrique du Sud et l'autre de la Méditerranée. J'ai pu prouver pour la seconde fois que les processus de nickel d'hyperaccumulation de nickel étaient multiples, indiquant que l'hyperaccumulation en tant que telle est apparue plusieurs fois au cours de l'évolution. Pour finir, j'ai confirmé la nature de la sève élaborée verte que vous avez vue chez Pitnandra cumulata, qui est retrouvée chez plusieurs hyperaccumulateurs, dont Pitnandra cumulata, à travers le monde et en Nouvelle-Calédonie, à l'aide d'une technique appelée SEM et de EDS. Donc, l'image n'est pas forcément correcte ici, car normalement, il faudrait une petite escale à Vancouver. Sinon, mais voilà un peu ce que j'ai fait durant mon doctorat, mais quid de mon post-doctorat au Québec, que j'ai commencé, comme Michel l'a dit, en septembre 2021, sous sa supervision. J'ai décidé avec quelques étudiants, en fait étudiantes, d'étudier l'hyperaccumulation en zone tempérée froide. Donc, Daphné Sans Regret et Roxane Laflamme, des étudiantes en baccalauréat de l'UDEM, ont réalisé durant l'été une évaluation systématique de l'occurrence de l'hyperaccumulation sur l'île de Terre-Neuve, et plus précisément dans le parc national du Gros-Morne et au Mont-Albert, au Québec. L'ensemble des résultats n'ont pas encore été obtenus, mais pour l'instant, aucune espèce ne s'est avérée hyperaccumulatrice. On suppose fortement que la glaciation tardive qui a touché l'Amérique du Nord en est la raison principale. Un second projet, développé et mis en place par Marie-Pierre Bastien-Thibault, s'est focalisé sur l'hyperaccumulation du sélénium. Fait intéressant, on s'est aperçu avec Michel Labrec et Patrick Benoît que certains des sols qui poussaient à Montréal-Est accumulaient des concentrations intéressantes de sélénium. On a donc proposé à Marie-Pierre d'étudier ce phénomène plus en détail. Ainsi, elle a mis en place une expérience en serre où elle a étudié la capacité de 3 espèces à hyperaccumuler le sélénium. Ces espèces sont le sol, bien sûr, mais aussi la moutarde brune et l'astragale du Canada, une accumulatrice indigène au Québec. Marie-Pierre est en plein travail de laboratoire, elle y est même en ce moment, mais les premiers résultats vont arriver bientôt et nous sommes vraiment impatients, car cela pourrait vraiment changer la donne si les résultats s'avéraient positifs. Merci beaucoup de votre écoute. Je suis là si vous avez des questions. Sinon, je passe le relais au prochain intervenant, ou même Michel, qui je...
Merci. Oui. Ben, je te remercie, Adrien. Merci pour la présentation. Il y a des questions. Il y a une question du public là, qui nous demande, elle vient d'Alia, en fait. Si l'espèce d'arbre dont tu as parlé, si je comprends bien la question, là, serait capable de fixer des métaux lourds de façon homogène si on était dans un sol contaminé. Est-ce que ça pourrait être une plante? J'ai l'impression que c'est un peu ça la question. Ça va être très problématique puisque c'est des plantes qui sont à croissance lente. Dans l'objectif de phytorémédiation, ça ne serait pas forcément utile. J'ai fait des études. Les arbres qui atteignent la canopée à 20 mètres, etc., ils sont à plus de 300, 400 ans. Donc, comparé à des saules ou à des peupliers, c'est vraiment c'est incomparable. Oui, ils accumulent beaucoup, mais les saules et peupliers seraient beaucoup plus efficaces malgré qu'ils accumulent moins, en absolu. Oui, ouais, je pense aussi. Et puis, c'est sûr qu'il faudrait respecter les conditions climatiques. Et puis, c'est des sols particuliers. C'est des sols qui sont très pauvres en nutriments, qui ont pas mal de contaminants de type nickel, chrome, cobalt. Donc, c'est vraiment des sols particuliers. Donc, l'appliquer sur des sols contaminés, ça serait vraiment compliqué, je pense. Ouais. Ceci dit, les plantes qu'on a sélectionnées pour faire de la phytorémédiation, souvent, ils viennent quand même de serpentine. Il y a certaines plantes, effectivement, ouais. Oui. Comme les moutardes. Ouais. Moi, je sais qu'en Malaisie, ils utilisent, ça va être Rhinorrhea bendalensis, qui est une plante de sol ultramafique, qui, elle, est utilisée en agromine. Donc, c'est un peu, ce n'est pas le même processus, mais c'est similaire à la phytoextraction qu'on fait au Québec dans ton équipe, dans notre équipe, je devrais dire. Ouais. Y a Nelson qui demande comment tu as étudié les relations allélopathiques dont tu as parlé. J'ai juste fait une étude dans le sens où j'ai essayé de chercher à savoir si la diversité des espèces, les espèces qui étaient présentes à proximité des pichandras, étaient les mêmes selon un gradient de distance, en fait. Donc, je regardais si, par exemple, dans les 5 mètres autour de l'arbre, radius, est-ce qu'il y avait la même composition d'espèces qu'il y avait dans une forêt, dans une partie du site où il n'y avait pas de pichandra. Donc, en gros, c'est des études statistiques qui ont été effectuées et il n'y avait aucune significativité à ce niveau-là. Bon, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là pour respecter le temps. Je te remercie beaucoup, Adrien. Merci beaucoup. Vous avez vu peut-être que ce que Adrien nous présente, c'est peut-être plus des résultats de son projet de doctorat. Ces connaissances-là nous aident dans nos démarches. Et maintenant, je voudrais passer à Marc-Olivier Brunet, qui est un étudiant de maîtrise. Marc-Olivier, il est là, il est en... bien branché, là, mais malheureusement, vous pourrez pas le voir et vous allez devoir vous contenter d'une photo qu'il va nous présenter. Marc-Olivier, il a commencé son travail de maîtrise en janvier 2021 et donc il est en finale de son projet de maîtrise, il est dans la phase plus de rédaction. Quand il est venu au laboratoire, le sujet qui l'intéressait et puis qui cadrait bien avec les problématiques, c'était de voir comment on pouvait accroître la productivité, les rendements et l'efficacité d'établissement des plantes avec lesquelles on travaille. Alors, il y a toutes sortes de moyens, il va vous en présenter, mais si les plantes ne poussent pas, si les plantes ne croissent pas bien et ne s'établissent pas et qu'on veut faire de la phytorémédiation, on part mal. Alors, l'idée, c'est d'essayer de voir comment on peut accroître la croissance des plantes en apportant certains amendements. C'est le sujet de son travail de maîtrise et puis il va nous en parler. Alors, Marc-Olivier, je te demanderai de partager ta présentation puis je te laisse la parole. Et voilà, tout le monde voit bien. Bonjour tout le monde, c'est ça. Merci Michel pour l'introduction. En fait, c'est ça, je suis un étudiant qui a fait un retour aux études et j'ai eu la chance de travailler dans l'équipe de terrain du laboratoire de Michel Labrec et c'est ça par la suite, joint d'une maîtrise avec eux. Donc, comme il l'a mentionné, on travaille avec les peupliers et les saules. Et moi, mon projet de maîtrise, en fait, c'était de voir l'impact d'amendements organiques sur les capacités phytorémédiatrices de saules et de peupliers.
Alors, je vais vous faire brièvement une petite mise en contexte et vous parler ensuite de mon dispositif expérimental. On va aborder un peu les résultats puis faire un petit mot pour la fin, de conclusion. Alors, les friches industrielles sont assez importantes dans les milieux urbains. Ils représentent une perte de revenus fonciers, puis ce sont des terrains généralement contaminés qui peuvent être pris en charge par la phytoremédiation. Comme mentionné auparavant, encore une fois par Michel, ça serait la phytoremédiation, c'est d'utiliser les traits physiologiques ou morphologiques de plantes pour, dans le fond, traiter s'occuper d'un problème, que ce soit des contaminants ou divers sujets qu'on peut toucher avec les phytoremédiations. Cependant, les friches industrielles ne présentent pas de belles propriétés, on pourrait dire, propices à la croissance d'espèces végétales tout le temps. Souvent, ce sont des sols qui ont des carences en nutriments, sans compter évidemment le facteur contamination. Comme la phytoremédiation est une technologie, on peut dire, soucieuse de l'environnement, moi, je voulais utiliser des fertilisants, en fait, qui étaient issus, dans le fond, soit de l'économie circulaire, des sous-produits de production. Donc, je me suis intéressé aux frasses de Ténébrion meunier. Je vous ai mis une petite photo ici. Et au fumier de poule, qui est l'actisol, en fait, un produit industriel assez connu du domaine agricole. Pardon. Alors, pour ce qui est du sol, en fait, ça serait un technosol. Il y a plusieurs définitions, mais le nôtre, le sol utilisé de Montréal-Est, des friches de Montréal-Est, ça serait surtout qu'il y a beaucoup d'artefacts, que ce soit du remblai, des débris de construction, et beaucoup de dépôts illégaux aussi avec le temps, sans compter le passé industriel, donc du compactage avec du gravier. C'est un sol loam sablo-argileux. Puis, je ne l'ai pas fait sur le site. En fait, j'ai dû excaver avec une petite pelle mécanique qu'on a louée. C'était bien le fun. Du sol qu'on a amené en milieu semi-contrôlé, dans le fond, une serre ouverte, en fait, les panneaux latéraux. Et le sol a été dopé avec une solution de dichlorure de cuivre pour atteindre environ des concentrations de 850 ppm de cuivre. Évidemment, ce qu'on ne pouvait pas faire in situ. Au niveau de la fertilisation, selon une petite étude préliminaire et ce qu'on trouvait dans la littérature, je me suis intéressé à un traitement fertilisant en deux temps, un à la plantation et un à la mi-période de croissance, de chacun de 125 kg d'azote à l'hectare, pour un total de 250 kg d'azote à l'hectare par année. Petit fait ici, petite nuance entre les deux fertilisants que vous pouvez voir, c'est leur différence de pH, donc localement pour réagir un peu pour solubiliser les métaux. Et ici aussi, quand on s'intéresse souvent aux intrants, aux amendements, pardon, fertilisants organiques, c'est souvent un sujet qui est questionné, dans le fond, c'est l'apport en métaux qu'on va faire au sol. Souvent, il y en a des problématiques comme le cadmium et l'arsenic que je n'ai pas ici. Mais on voit quand même une petite différence. Le FRAS se distinguait par son faible apport en certains métaux qu'on ne veut pas trop ajouter en grande quantité, du moins quand on fertilise un sol. Les espèces utilisées, ça a été le peuplier, qui est un hybride entre le peuplier deltoïde et le peuplier nigra. Et avec lui, j'ai de la misère à le prononcer, Maximovici, pardon là, si je le prononce mal, mais en tout cas, c'est un hybride qui aurait été, selon ce que j'ai vu, mais je le dis en toute réserve, conçu au Québec et recommandé aussi pour la sylviculture au Québec. Il présente un rendement élevé dans les peupliers hybrides, et c'est ça. Au niveau du sol, ici, que vous voyez là, c'est le Salix miabena, le SX67, qui présente de très bons rendements, une résilience aux contaminants sur plusieurs études qui ont été faites en divers terrains contaminés, que ce soit avec des hydrocarbures, des métaux. Et lui et le SX61 étaient les deux qui présentaient le meilleur rendement sur 11 cultivars testés, qui ont été, en tout cas, étudiés. Au niveau des exigences nutritionnelles, pour ce qui est des sols au Québec, on se trouve entre 100 et 150 kilogrammes d'azote à l'hectare. Et au niveau des peupliers, c'est un peu plus large, on est entre 95 et 275 kilogrammes d'azote à l'hectare, pardon, à l'année. Les propriétés de notre sol ici montraient une carence en fait en azote. C'est pourquoi je me suis principalement concentré sur ce composante-là. En fond, les deux traitements sont en isoazote.
Et il y avait une carence aussi au niveau du phosphore. Par exemple, le potassium, c'était pas grave. Si ici le pH était correct, à la limite en fait des exigences des plantes pour avoir une belle croissance, c'était un problème pour certains métaux, dont le cuivre, qui est réduit et donc très peu biodisponible à ce pH-ci. Alors, le FRAS ici, qui est ce sont les fesses des fesses et des exuvies et des détritus alimentaires non consommés quand on fait l'élevage du ténébrion. Ils ont présenté dans la littérature une résistance à la sécheresse. Ça diminuerait en fait les stress dus à la sécheresse, à la salinité, et augmenterait, ça c'est encore à déterminer, mais de plus en plus ils se rendent compte de ça, il y aurait une défense, on pourrait dire, en contre les insectes et les fungi. Ça serait peut-être dû en fait aux exuvies qui contiennent la chitine, que la plante serait peut-être capable de percevoir et de percevoir comme peut-être une attaque d'insectes. Oh, pardon. Il y a une activité microbienne intrinsèque et il y aurait le potentiel de diminuer le pH, comme j'ai pu m'en apercevoir dans une petite étude préliminaire à celle-ci. Le fumier de poule, je n'ai pas trouvé beaucoup il est utilisé en agriculture, mais moi, c'est par rapport à la phytoremédiation. Je l'ai juste trouvé par rapport avec des bouts d'égout et du lexivia. Il présentait une résistance contre le lessivage. Il diminuerait le lessivage avec il y a beaucoup de hauts taux de complexes de liaison pour métaux solubles. Pardon. Et la petite nuance qu'il y avait avec le FRAS, c'était qu'il présentait plus de phosphore. Si je reviens ici, là, pardon. Il y a plus de phosphore disponible que le FRAS. Au niveau de la plantation, ça s'est fait dans des bacs de 40 litres en bouture à l'horizontale, donc déposés dans une tranchée qui était préalablement comme ça, comme vous pouvez voir ici, là, installé ici. Pour les boutures, je voulais remplir, comme c'était une vraie tranchée, la totalité de la tranchée. Fait que j'ai pris deux boutures de 20 cm de saule et trois de 15 cm de peuplier dans le fond pour atteindre la ligne complète. Les paramètres qui ont été étudiés, ça a été la croissance, la biomasse, la conductance stomatique, la chlorophylle AB et caroténoïdes, le N et le P total, dans le fond, l'azote et le phosphore total assimilé, et les métaux dans les parties aériennes et racinaires. Au niveau du sol, j'ai brièvement regardé le pH, les métaux, le cuivre disponible, biodisponible, pardon, différentes formes d'azote et le phosphate. Pour ce qui est des résultats, j'ai décidé de plus vous parler en fait des différences que les traitements qu'on avait été observés dus au traitement plus qu'aux différences entre les espèces pour ne pas comparer des pommes avec des oranges, même s'ils sont de la même famille des salicacées. Au niveau de la hauteur, il y a juste une influence des traitements en fait sur les saules que vous pouvez voir ici en bleu. Entre le contrôle et le FRAS, qui ont obtenu des résultats un peu plus élevés pour le FRAS, en termes d'auteur. Pour les parties aériennes, je vais y revenir, il n'y avait pas de différence significative. Ça, c'est peut-être dû à des problèmes de mon dispositif. Pas des problèmes, mais en tout cas des détails que je changerais si j'avais à refaire à l'expérience. Ici, n'ayez pas peur, c'est juste pour vous faire réaliser que selon la littérature, souvent le cuivre va être très, très dur à extraire du sol. Ici, il est pris par la plante, il va surtout rester au niveau racinaire. Et c'est avec cette expérience-là, on s'est aperçu que c'était effectivement ce qui se produisait. Alors, si vous voyez pour les peupliers ici, on a vraiment des taux entre le 11 et le 15, disons, et on est dans les 400 dans le sol. Même chose pour le cuivre chez les saules. Il y aurait un facteur aussi, si les chiffres sont élevés au niveau racinaire, il y a un facteur contamination qui est vraiment dur à cause de l'absorption sur les racines. Et ça, on peut souvent le vérifier. Oh, mon animation est disparue, pardon, je vais vous le montrer avec la souris. Avec le chrome, le chrome est très, très peu absorbé par les plantes. Et souvent, quand on voit ces chiffres-là, un peu les chiffres plus élevés que dans la biomasse aérienne, bon, on peut savoir qu'il y a un petit facteur contamination. Ça nous donne l'indice, du moins. Ah, ben, elle est là. Au niveau du cuivre, dans les parties aériennes, il y a juste eu une diminution en fait du cuivre absorbé qui a été affecté peut-être par le traitement actisol, pas peut-être en fait par le traitement actisol, entre les peupliers et les saules. Alors, il aurait été affecté à la baisse avec ce traitement-là.
Pour le plomb racinaire, on a pu observer une augmentation en fait chez les saules avec le traitement Actisol. L'Actisol, ça avait déjà été démontré aussi avec le tournesol, si je ne me trompe pas, c'est le tournesol, qui augmentait le plomb dans les parties racinaires et aériennes. Alors, il y aurait une interaction peut-être intéressante là au niveau du plomb et l'Actisol. Ici, je vous le montre juste à titre indicatif, même si c'est juste une différence entre les espèces au niveau du zinc qui est accumulé dans les racines, ou du moins aussi une partie sur les racines. C'est juste pour vous démontrer que des fois, selon la problématique d'un terrain, les métaux auxquels on s'attaque, ça peut être intéressant ces données-là pour justifier l'espèce que l'on choisit. Ici, je vais essayer de vous l'expliquer. C'est un peu dur avec le nombre de graphiques qu'il y a ici. Il n'y a pas de problème. C'était juste la chlorophylle A et B, en fait, après 45 jours, donc suite au premier traitement, avant que je fasse le deuxième. Il n'y avait pas de différence entre les espèces. Puis il y en a une interspécifique qui s'installait par la suite. Donc, différents peut-être mécanismes, soit d'adaptation ou de réponse à un terrain contaminé. C'est souvent le chlorophylle A et B caractéristiques physiologiques, des propriétés physiologiques qu'on peut observer facilement pour les traits de santé ou d'adaptation face à un terrain contaminé. Même chose pour les caroténoïdes qui sont impliqués dans des défenses puis de stress, non seulement des processus photosynthétiques, mais des défenses contre les stress abiotiques. Ici, c'est à l'inverse. Il y avait une différence entre les espèces au départ qui s'est stabilisée par la suite à la fin de l'expérience. Pour ce qui est de petits intrus parasites, sans grande surprise, j'ai eu la présence sur certains plans de le petit puceron tacheté ici que vous pouvez voir chez les peupliers, qui est qui est vraiment typique du genre Populus. Et on a eu une rouille, désolé pour la qualité de la photo, là, ça ressemble à une petite poudre dorée, Melampsora, pardon, qui s'est attaqué au sol, mais les deux de façon, c'était vraiment ciblé, puis ça n'a pas affecté significativement les résultats. Bon, si on revient un peu sur ce qu'on a pu observer, en fait, il y avait un effet chez les sols des traitements. Sinon, le reste était pas mal plus pour beaucoup de résultats obtenus, c'était dû aux différences entre les espèces. Pour les métaux, dans le cuivre aurait été affecté à la baisse, dans le fond, le cuivre aérien chez le sol avec le traitement Actisol. Et on a vu des différences aussi pour le plomb racinaire entre le peuplier et le sol pour le traitement Actisol aussi. Vous pouvez voir un peu la différence de hauteur ici. Beaucoup des plants en fait, de sol dépassaient les 2 mètres. Puis pour la biomasse, ça, c'est à revoir. Là, vous comprendrez que c'est un travail en progrès, mais je vais essayer de revoir un peu ce qui pourrait être fait au niveau statistique. Je ne veux pas vous dire des chiffres erronés non plus si ce n'est pas faisable. Mais c'est à revoir au niveau des boutures et que j'ai mis par bac. Les perspectives, en fait, ce qui est intéressant avec les phytoremédiations, puis dans un contexte en laboratoire ex situ un peu, c'est qu'on est limité par les contraintes physiques, mon bac, par exemple, de sol et le temps aussi de l'expérience. C'est pourquoi j'ai lancé en même temps de cette expérience-là un projet de terrain qui est devenu le projet de maîtrise d'une autre étudiante, alors in situ. Fait que ça, c'est en train de se dérouler en ce moment. Je pense qu'il y a eu la récolte à la fin de cette saison-ci. Et pour les perspectives, ce serait vraiment d'étudier l'effet du FRAS et du fumier de poule, non seulement sur la production de biomasse, mais aussi sur les propriétés physico-chimiques qu'ils peuvent apporter au sol. Ce qui ne se fait pas en une saison, on s'en doute, là, pour venir changer les propriétés physiques du sol, ça peut prendre plusieurs années. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Bravo. Merci, Marc-Olivier. Tu as bien fait ça. Oui, vous avez compris un peu que ce projet sert dans la continuité à une nouvelle étude, là, qui est une étudiante qui est arrivée plus récemment, qui fait son travail de maîtrise, et on aura peut-être la chance de vous le présenter. Mais Marc-Olivier, il y a une question de Nelson qui nous demande, en fait, le fait d'avoir utilisé des boutures de longueur différente pour les deux espèces, est-ce que ça ne crée pas une espèce de biais? Et comment on pourrait optimiser, mettons, le travail
Est-ce qu'il n'y aurait pas été... En fait, je pense que la question, c'est est-ce que ça n'aurait pas été une bonne idée d'avoir des boutures de même longueur et crois-tu que ça peut avoir un effet? Exactement. Je crois que ça peut avoir un effet. Il y a des études qui ont été faites par le laboratoire, notre laboratoire d'ailleurs, et par d'autres qui démontrent que la longueur des boutures peut affecter non seulement la production, le rendement, mais aussi l'établissement. J'ai pas encore assez joué avec les données pour l'observer, je crois m'en rendre compte, parce que j'ai eu de la mortalité seulement, je ne l'ai pas mentionné, mais seulement chez les saules en contrôle. Et ça n'a pas affecté la production de biomasse. Fait que je sais qu'il y avait de la compétition, puis c'était très limitant. Puis j'ai l'impression, peut-être que j'avais fait une bouture de chaque par bac. Le vrai, de ce qui s'est passé au début, c'est que j'étais supposé avoir des boutures plus longues que j'aurais coupées à 40 cm pour les deux espèces. Malheureusement, le marché n'a pas réussi à me le fournir à temps. Donc, j'ai eu des boutures de différentes longueurs. Dans le fond, généralement, les boutures de saule viennent en 20 cm et le peuplier en 15. Là. En tout cas, c'est ce qu'on trouve quand on les achète. Et c'est ça m'a causé un souci vraiment comme dans le jour, juste avant la plantation. Et j'ai décidé de foncer comme ça, comme si c'était vraiment une tranchée et que je la remplissais. Mais oui, effectivement, ça a dû causer problème. Et c'est pour ça qu'il faut que j'aille consulter mon directeur et le statisticien pour voir comment je peux jouer avec ça sans trop mêler les cartes. Oui, je pense que ça répond bien à la question. C'est ce que Nelson trouve aussi. Puis effectivement, il y aura peut-être à tenir compte de cette différence. Pour ma part, je ne suis pas sûr que ça joue beaucoup, mais on va le vérifier peut-être plus en poussant un peu plus loin les analyses statistiques. Je sais pas, oui, je pense qu'il y a une autre question qui vient de s'ajouter. Est-ce que, bonjour, alors ça vient de Abdoulaye, j'espère que je le prononce bien. Bonjour, est-ce que l'amendement a influencé l'évolution racinaire pour les deux espèces? Est-ce que tu as regardé des changements dans les racines, le développement racinaire? J'ai pas observé de différence significative au niveau du développement racinaire. Ça doit être en partie dû justement encore à la contrainte physique. Quand j'ai défait mes bacs, tout ça pour récolter les racines et tout, c'était vraiment compacté dans le fond, un peu comme notre plante de maison, là, toutes les racines se ramassent dans le fond. Fait que c'est très dur en contenant comme ça, surtout que c'est une plante qui a une croissance, qui développe un réseau racinaire important et qui a une croissance très rapide. Il faudrait que l'expérience soit refaite sur une période peut-être plus courte avant que les racines puissent atteindre le fond. Mais c'est une bonne question, mais je n'ai pas pu l'observer, non. Oui, ben, tu as raison. Là. Et puis, ce qu'on souhaite, c'est qu'avec l'expérience qu'on fait au champ, le travail d'une nouvelle étudiante dont je parlais tout à l'heure, Camille, va aussi avoir excavé des plantes avec toute la problématique que ça représente. Mais on va essayer de voir effectivement cet aspect-là, si les apports en différents amendements peuvent avoir influencé le développement racinaire. Pour avoir fait d'autres travaux, pas tout à fait dans le même style, souvent des amendements, quand on enrichit le sol de fertilisants ou avec des eaux usées, ça a plutôt l'effet inverse sur la croissance racinaire. Hein. Si les nutriments sont disponibles à proximité de la plante, bien souvent les racines ne vont pas nécessairement se développer, aller chercher ou à chercher des nutriments plus loin. Et souvent, ça a l'effet inverse sur le nombre de racines, la longueur de racines et la biomasse racinaire. Alors, c'est à voir si on observera aussi la même chose éventuellement dans ces travaux. Ben, je pense qu'on va peut-être... merci, Marc-Olivier. Peut-être s'arrêter là pour respecter le temps. Il nous reste à peu près une quinzaine de minutes justement pour passer à la prochaine présentation. Alors, je suis content de vous présenter Andréane Beauchemin-Nadeau, c'est une étudiante aussi du laboratoire qui s'est jointe elle aussi à l'équipe en janvier 2021. Donc, elle aussi, elle est dans une phase de rédaction actuellement pour terminer son mémoire de maîtrise. Et je sais que je la taquine souvent en disant qu'elle a un projet très original, je vais encore le dire, parce qu'elle travaille sur une problématique auquel on est souvent confronté dans la réalité. Vous savez, les chercheurs, les professeurs, les scientifiques comme nous, on amorce souvent des projets avec des dispositifs expérimentaux. On a des partenariats avec l'industrie, avec les municipalités, tout ça. On fait des plantations. Et pour des raisons, des fois, de budget, de toutes sortes de contraintes, ces projets-là peuvent être abandonnés. Et on laisse les plantes là. Mais qu'est-ce qui advient de ces plantes? Qu'est-ce qui advient de ce qu'on a créé comme écosystème un peu nouveau?
s'est à cette problématique qu'Andréane s'est intéressée. Et je vais lui laisser la parole pour qu'elle vous présente une partie de ses résultats là, qu'elle est en train d'étudier actuellement. Voilà, je te laisse la parole, Andréane. Merci beaucoup, Michel, pour la belle introduction. Puis là, je n'ai pas commencé au début de ma présentation. Voilà. Vous m'entendez bien, j'imagine? C'est bon, Andréane, oui. Génial. Bonjour. C'est la première fois que j'assiste et que je participe aux présentations de RLQ. Puis je suis bien contente d'être là aujourd'hui. Donc, merci de m'accueillir. Puis, comme Michel l'a si bien dit, donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de recherche qui traite sur la flore spontanée dans les plantations, dans les infrastructures vertes abandonnées. Donc, infrastructures vertes, oui, mais lesquelles? Donc, dans le cadre de ma recherche, on s'est intéressé plus spécifiquement aux plantations de saules et de peupliers. Donc, ça ne sera rien pour vous surprendre. Puis, au début de ma maîtrise, en discutant avec mes co-directeurs, on a réalisé effectivement qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui arrive avec les plantations dans les sites de phytoremédiation à la fin des expériences. C'est des milieux qui, souvent, vont être voués à être détruits et qui ont une durée de vie limitée. Mais donc, personne ne s'est vraiment intéressé aux communautés végétales qui vont se trouver sous la plantation. Je dis durée de vie limitée, mais c'est quand même des sites qui peuvent être en place pendant une vingtaine d'années. Et donc, il y a une végétation qui peut s'établir et évoluer dans le temps. Mais, c'est quoi les espèces qui peuvent s'y établir? Est-ce que ça va être des espèces qui vont être plutôt typiques de friches urbaines ou plutôt de jeunes boisées? Est-ce que c'est des espèces qui sont ruderales, exotiques ou même envahissantes? Ou est-ce qu'on a plutôt une ressource de biodiversité intéressante, particulièrement en milieu urbain? Donc, c'est ce qu'on a tenté de découvrir. Donc, on a établi deux objectifs de recherche principaux. On a voulu savoir, de un, qu'est-ce qui se trouve dans les plantations et pourquoi est-ce que c'est là. Et ensuite, on s'est demandé comment est-ce que ces plantations-là vont évoluer dans le temps. Pour atteindre les objectifs, on a décidé d'échantillonner la végétation dans toutes les plantations de saules et de peupliers connues et accessibles de la grande région de Montréal. Donc, c'est-à-dire 13 plantations dans notre cas. C'est des plantations qui sont de taille et d'âge variés. Donc, ça va de 240 mètres carrés à 39 000 mètres carrés, très variés, et donc de 2 à 15 ans depuis la dernière coupe. C'est aussi des plantations qui sont abandonnées pour certaines depuis plusieurs années. Et comme on a aussi utilisé des plantations qui sont utilisées pour la production de biomasse, tous les sites ne sont pas contaminés. Puis, on peut aussi voir un gradient de perturbation avec des plantations sur l'île de Montréal qui sont exposées à l'urbanisation et souvent à des sols contaminés. Mais on a aussi des milieux, des plantations plutôt en milieu rural qui vont être entourées de champs agricoles, de forêts, de champs agricoles et de forêts. Je ne sais pas mis d'abondance, mais voilà. Dans les plantations, on a fait des relevés de végétation en notant le pourcentage de recouvrement de chaque espèce qui était présente. Et on a aussi identifié différentes variables qui permettraient d'expliquer la composition de la communauté. Donc, on a été regarder les variables qui sont relatives à la plantation. Donc, quelle espèce est plantée, l'ouverture de la canopée, la superficie, l'âge de la plantation. On a aussi été regarder des variables qui étaient plus relatives au sol, des variables descriptives du sol, dont la contamination, et finalement, des variables relatives au paysage, donc tout ce qui peut décrire ce qui entoure une plantation, donc est-ce qu'on y retrouve plus des surfaces imperméables, des champs agricoles, des forêts, puis la distance au boisé le plus proche. Pour ce qui est de mes analyses, on a exploré la richesse taxonomique et la composition des communautés, mais avant de se lancer dans tout ça, je voulais vous montrer quelques chiffres. Donc, dans l'ensemble de mes sites, on a identifié 232 espèces
Puis de ces espèces-là, on a à peu près la moitié, presque la moitié qui sont exotiques, une très grande majorité qui sont des herbacées et des espèces pérennes. Maintenant, pour explorer la richesse taxonomique et les facteurs qui vont avoir un plus gros impact sur le nombre d'espèces qu'on retrouve dans les sites, donc on a fait un modèle linéaire généralisé, un GLM. Ce qui en est sorti, c'est qu'il y a trois variables significatives qui peuvent influencer le nombre d'espèces qu'on retrouve. Et donc, ces variables-là, ce sont l'humidité du sol, parce qu'effectivement, un sol qui serait sec ou aride, donc c'est une contrainte de plus auquel les végétaux doivent faire face. Et un sol humide, en gardant en tête qu'on ne parle pas de tourbière, ça permet quand même à plus d'espèces de s'établir. Ensuite, donc la proximité au boisé le plus proche maximise le nombre d'espèces parce qu'un boisé, c'est une source de semences possible et plus la distance entre le boisé et la plantation est courte et plus la semence a de chances de se retrouver dans ce milieu-là. Et finalement, sans grande surprise, la présence de métaux va limiter le nombre d'espèces qui peut s'établir simplement parce que ce n'est pas toutes les espèces qui sont adaptées pour pouvoir survivre dans un milieu qui est contaminé. Donc, ensuite, on a été identifier les facteurs qui ont un impact sur donc, l'identité des espèces qui se trouvent dans la plantation, donc la composition. Parfait. On a donc réalisé une RDA. Une RDA, en fait, c'est simple. C'est une analyse qui permet d'identifier les interactions, de visualiser les interactions. Donc, les points qui sont très proches vont être très similaires, puis les vecteurs qui vont avoir un angle aigu ou obtus vont être corrélés. Donc, la RDA nous a permis de voir que les variables environnementales expliquent 57,2% de la variation et a permis d'identifier les deux variables qui ont le plus d'impact sur la composition. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'âge de la plantation et la quantité de matière organique qu'on retrouve dans le sol. Et ces deux variables-là nous ont permis d'identifier des groupes, de différencier des groupes. Donc, si on regarde la RDA plus en détail, on voit à gauche un groupe que j'ai nommé le groupe rural. Donc, c'est un groupe qui est caractérisé par des sites qui sont pluvieux, qui vont être entourés de sols, de champs agricoles et qui vont avoir un sol humide. Puis les espèces qui y sont associées, donc ça va être des espèces qui sont ligneuses, mais on voit en particulier l'effet du nerprin cathartique, donc Rhamnus cathartica, qui est une espèce envahissante. Mais aussi, et on voit aussi donc la vigne vierge qui est juste ici et le frêne d'Amérique qui lentement reprend ses droits. Ensuite, en bas, on voit le groupe que j'ai qualifié de perturbé. Donc, c'est un groupe qui est caractérisé par la présence de contaminants, de matières organiques, de surfaces imperméabilisées, mais aussi de petits boisés. Puis ça, peut-être que ça va vous surprendre, mais en fait, c'est simplement parce qu'on a considéré des boisés de quand même petite taille, puis ce genre de boisés-là, on les retrouve beaucoup dans des grandes villes comme Montréal. Puis, dans ce groupe-là, c'est plutôt des espèces ruderales et exotiques qui vont dominer. Ici, on a le cerfeuil sauvage qui semble être une espèce prédominante. Et un peu plus loin, on a aussi le chien d'encre commun qui, elle, est une espèce exotique envahissante qui va être présente. Et finalement, on a le groupe pionnier qui est caractérisé par une association entre le pâturin des prés et l'ouverture de la canopée et un site qui va être un peu plus jeune. Donc, c'est rien de surprenant. En fait, on sait bien que le gazon aime ce genre de milieu-là. Donc, si on regarde l'ensemble de la RDA, ce qu'on voit, c'est que les espèces exotiques sont présentes, elles sont importantes dans tous les sites. Et que les espèces exotiques envahissantes sont aussi présentes dans la plupart des sites. Par contre, ce ne sont pas les mêmes espèces qu'on va retrouver si on regarde un milieu plus rural ou perturbé, ou même un milieu
de première, qui serait plus pionnier. Voilà. Ensuite, pour aller pousser un peu plus loin la structure des communautés, on a fait un arbre de régression multivariée, MRT. C'est une méthode qui permet de trouver les variables qui ont une plus grande influence pour classer les sites en différents groupes. Et donc, les sites qui vont se retrouver dans un même groupe vont être similaires. C'est un peu comme un arbre décisionnel où on suit les critères jusqu'à arriver dans un groupe où on appartient. Dans notre cas, la variable qui semble faire la plus grande distinction entre les groupes, c'est la superficie de champs agricoles qu'on retrouve autour d'une plantation. Donc, on remarque aussi qu'il y a une surreprésentation des variables qui sont relatives au paysage. Donc, la surface de forêt autour d'une plantation et la surface, les surfaces imperméables autour des plantations, qui semblent faire une grosse différence dans l'assemblage des communautés. Puis on peut aussi remarquer donc l'âge, l'humidité du sol et l'ouverture de la canopée qui jouent un rôle. Par contre, un absent que je tiens à vous faire remarquer, c'est la contamination, donc qui ne semble pas avoir d'impact sur la composition. Puis l'identité de l'espèce plantée non plus. Donc que ce soit un sol ou un peuplier, ça ne semble pas avoir d'impact sur quelles espèces vont être capables de coloniser un milieu. Donc, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que l'âge et le paysage sont des variables qui semblent mieux expliquer la variation qu'on va trouver dans la structure des communautés. Puis, j'ai déjà parlé du fait que la contamination ne semblait pas être très importante, mais en fait, ce que ça nous donne comme information, c'est que les espèces pionnières, c'est des espèces qui sont à toute épreuve, donc c'est probablement aussi pour ça qu'on les retrouve beaucoup dans tous les sites, donc qu'ils soient contaminés ou non, puis donc ça ne fait pas une grosse différence. Puis les espèces exotiques aussi sont souvent bien adaptées à ce genre de milieu-là. Donc, overall, je tiens à rappeler que c'est une étude qui est exploratoire, puis dû au faible nombre de sites, on ne peut pas vraiment tirer des conclusions ou faire des prédictions avec mon étude. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'émettre des hypothèses. Donc, ce qu'on peut penser, c'est que les plantations de sols de peupliers et à plus grande échelle, les infrastructures vertes abandonnées, c'est des milieux qui sont particulièrement propices à la colonisation par des espèces exotiques et potentiellement même envahissantes. Donc, si on veut tirer profit des espaces verts à un niveau biodiversité, parce qu'on sait déjà qu'au niveau social, c'est très bénéfique. Il faudrait faire un suivi de ces milieux-là, puis si on trouve des espèces problématiques comme le nerf-brun, prendre des mesures pour que ces milieux-là ne soient pas des stepping stones pour la dispersion des espèces. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Andréane. Je pense que tu as bien résumé ce qu'on trouve. Et je te dirais qu'encore ce matin, moi, je recevais une demande pour avoir des nouvelles de ton projet. Je pense qu'il y a des gens qui s'intéressent à ton projet. Et je voyais aussi que Nelson, un de nos animateurs et panélistes, là, nous dit qu'il applaudit l'idée de ce projet parce qu'effectivement, il y a un intérêt pour ces capitales d'infrastructure pour voir qu'est-ce que ça peut représenter comme bénéfice ou impact sur l'environnement et sur le devenir des alentours en fait, qu'on crée. Alors, c'est ça. Puis je crois qu'il y a peut-être... Il y a une grosse question. Ah oui, il y a une question. Ma question, c'est une question de Abdoulaye encore, qui nous dit, qui se demande de savoir pourquoi la RDA, le pH n'est pas considéré, bien qu'il soit apparent sur la figure. Oui, je peux peut-être retourner. En fait, le pH a l'air de tirer beaucoup la relation. Par contre, quand on a été creusé plus loin, on a vu qu'il y avait une très faible variation, puis on s'est rendu compte qu'il était fortement corrélé négativement avec l'âge. Donc, j'en ai pas parlé parce que je pense pas que ça a vraiment un impact sur les communautés. Je pense que c'est juste à cause de... parce que l'âge a un très gros impact, en fait, sur la structure. Oui, merci. Merci, Abdoulaye, d'avoir vu ce détail dans la présentation. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que oui, il y a une question d'Annick Saint-Denis. Comment pourrait-on limiter l'envahissement des espèces exotiques
dans ces infrastructures? Ça, c'est une grosse question qui sort de mon projet de recherche. Peut-être va falloir que j'explore un peu ça dans mon ouverture. Je peux émettre des hypothèses, mais peut-être que Michel va pouvoir compléter. Je pense qu'il faut surtout être conscient que l'implantation de ce genre de structure-là, c'est une perturbation pour un milieu aussi. Donc, on essaie de régler un problème, mais il ne faut pas en créer un autre. Donc, en étant conscient de ce qui entoure le milieu, donc est-ce que c'est un milieu qui est déjà propice à l'envahissement, par exemple, du nerf-train? Donc, il y a peut-être des moyens qu'on peut prendre. Est-ce qu'il y a des espèces qu'on peut planter pour essayer de ralentir la progression? Peut-être. Par contre, plus loin que ça, je ne sais pas. Il y a aussi, je sais que dans les plantations de Montréal-Est, de Michel, ils font beaucoup de gestion pour limiter l'avancement du... Fragmentant, c'est ça. Ouais. Voilà, exactement. Merci, Michel. Comment j'ai pu l'oublier? Donc, je pense qu'un entretien plus ou moins régulier peut aider ça, du moins au moins jusqu'à ce que la canopée soit fermée, puis limite la compte. Bon, oui, ben, moi, je pense Andréane, tu réponds très, très bien à la question qui n'est pas simple, mais c'est vrai que ça nous cause des soucis. Pour tout dire, les gens qui nous harcèlent pour avoir des nouvelles du projet d'Andréane, je crois qu'ils voudraient faire la démonstration que quand on établit des infrastructures vertes de décontamination, peu importe, avec des sols et des peupliers, ça peut constituer un établissement de plantes pionnières qui accélère finalement la création ou l'évolution naturelle des forêts vers un état plus stable et plus climatique. C'est ce qu'ils voudraient qu'on démontre. Évidemment, si on leur dit que c'est une place à intrusion de plantes exotiques, ils ne seront peut-être pas nécessairement contents. Pour ma part, j'ai l'impression que si, comme on travaille, nous, avec des plantes assez, des plantations assez denses, c'était le but en densifiant la présence d'arbres et de tiges à l'hectare. On avait l'impression qu'on créait des milieux plus ombragés, moins propices à l'intrusion de plantes envahissantes exotiques. Là. Mais il faut croire qu'avec ce que Andréane nous montre, c'est peut-être pas tout à fait... Il y a des plantes contre qui c'est difficile de se battre. Il ne faut pas l'oublier, que des super plantes. Ouais. Alors, il est pas mal 11 heures. Moi, je ne veux pas étirer inutilement la présentation d'aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas à moi de le faire, mais je vais le faire pour mon équipe là, je suis très, très content de ce que vous avez fait. Merci, c'était bien fait. Et je pense que les gens ont apprécié. On est, comme je le disais, un petit peu à la marge, mais néanmoins, c'est intéressant. Puis c'est des problématiques nouvelles. Puis je peux vous dire que dans les projets que nous faisons, il y a tout d'un coup un regain d'intérêt de la part de grandes compagnies qui s'intéressent plutôt à la liniculture puis aux produits du bois, là, qui voient dans nos projets peut-être des possibilités d'aller tirer aussi de la biomasse de ça et de faire d'autres choses. Et on vous en reparlera sans doute dans une prochaine rencontre. Alors, merci à vous tous. Je ne sais pas si je passe la parole à Raed ou Nelson, mais voilà. Oui, on avait à vous dire Michel. Ouais. Merci beaucoup. On aurait sûrement l'occasion de parler d'autres problématiques, d'autres sujets liés à la phytorémédiation. Merci beaucoup à Adrien, Marc-Olivier, Andréane. Merci, Michel. Merci pour les excellentes présentations que je trouvais très bien vulgarisées. Et merci aux participants pour l'intérêt aux activités du RLQ et pour leurs interactions avec les présentateurs. Je rappelle que ce webinaire a été enregistré et serait mis en ligne dès la semaine prochaine sur le site web du réseau et sur la chaîne YouTube. J'aimerais aussi profiter de cette occasion pour vous donner rendez-vous le mois prochain avec le webinaire du mois de novembre, et qui va porter sur un projet de la fiducie de conservation des écosystèmes de la Nodière. Le titre de la présentation, c'est « Les écosystèmes de la Nodière engagés dans la lutte au changement climatique » et qui va être donné par M. Régent Dumas, qui travaille à la fiducie. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.